Pfefferman. Pfefferman. C'était le nom du fourreur à côté de chez moi quand j'étais petite, rue Clignancourt. Mais je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Je l'ai compris ça bien après avoir vu la plaque, après avoir lu le texte. Sauvagement assassiné, mort glorieusement. Maurice, 20 ans, 1940. Il est ouvrier chez Hispano-Suiza à Colombes, il est poète et philosophe amateur, il est membre du Parti communiste. Il s'engage dès le début dans les FTP, brigade de Pierre-Georges, alias colonel Fabien. Il est en binôme avec Maurice Feld, 17 ans. Attentat, sabotage, ils abattent un officier allemand au coin de la rue de Chabrol et du boulevard Magenta. Ils sont recherchés par les brigades spéciales numéro 2, antiterroriste. Pour échapper à la police, il essaie de se vieillir. Moustache, cheveux plaqués. Maurice Feld aime Sylvia Brodfeld. Maurice Pfefferman aime Raymond Royal. Pfefferman. J'ai rempli au hasard, sans trop y croire, l'affiche pour les archives de la préfecture de police. Très inoffensives ces archives, Maubert Mutualité. Mais dans les sous-sols, toutes les mains courantes des commissariats, les rapports de filature, les guerres, les tortures, tout ça dans la tranquille rue des Carmes. On m'a remonté le dossier. Il était là. Affaire, Pfefferman, Mortka, Maurice. Ce dossier, personne, je crois, ne l'avait jamais ouvert avant moi. Et il suffisait de les tourner, ces pages devenues fragiles, pour qu'elles redeviennent matière vivante, les étapes d'une traque, les mois d'avril et de mai 1942. Ils ont d'abord identifié Sylvia, l'amie de Feld. Elle les a menés à Feld, qui les a menés à Pfefferman. Implacable. C'est quand j'ai lu l'adresse de Pfefferman, 12 rue Poulet, la profession de ses parents, fourreur, la mention de son frère, que j'ai reconnu le fourreur de mon enfance. Il a un frère, Léon, âgé de 17 ans. La dernière fois que je l'ai vu dans le métro. Je lui dis pars, je lui disais reste pas, parce qu'il était recherché, il a dit non, je sais, mais tant qu'il y aura un Allemand ici, tant qu'il n'y avait pas un Allemand, tant qu'il y aura un Bosch, je défendrai mon pays, je ne partirai pas. Puis il a perdu sa vie, il avait 20 ans et demi. Je l'ai rencontré au sein du métro, je m'appellerai toujours, à Strasbourg-Saint-Denis, sur le quai. Oui. C'est la dernière fois que je l'ai vu. C'était quelques semaines après sa mort. C'est donc 41, quoi. Puisqu'il est mort au mois de mai 41. Les inspecteurs Barachin et Bouton à monsieur le commissaire de police, chef de la brigade spéciale numéro 2. J'ai été amené à tuer une vieille domicile. Mes parents ont fait faire de mort 12 rues. Cette visite n'a ouvert aucun objectif tractatif, ni aucune correspondance ou indication susceptible d'ouvrir le domicile de Pfefferman.
Mademoiselle Bronfeld nous a montré son Feld. Celui qui a pris la filature nous a permis de constater qu'il était effectivement en relation avec Pfefferman. Aujourd'hui, Feld et son ami ont passé ensemble plusieurs heures au jardin des Tuileries. Après avoir quitté son ami à la station de métro Châtelet, Feld s'est rendu au carrefour formé par les rues Condorcet des Martyrs où l'attendait Pfefferman. Tous deux ont pris les rues Condorcet, Belfond et dans cette voie ont descendu l'escalier de Normandin. Nous avons alors jugé aucun appréhension, mais à notre information de lever les mains, ils ont sorti leurs revolvers et ont fait feu dans notre direction en prenant la fuite. Information de M. De Gueldre, Maurice, commerçant. Vers 18h40, sortant de mon bureau 10 rue Montelon, j'ai aperçu deux hommes se trouvant angle rue Baudin et rue Lafayette qui tiraient vers la rue Rochambeau sur deux autres hommes qui ripostaient. Les deux hommes se sont engagés dans la rue Montelon vers la rue du Faubourg Poissonnière en direction du boulevard. J'ai suivi ces hommes avec ma bicyclette en criant « au voleur » pour donner l'alarme. Un des hommes est tombé et a été arrêté par les passants. J'ai continué de poursuivre l'autre qui se sauvait. Écurie, un colleur d'affiche lui a barré la route et nous l'avons arrêté. Il s'est alors écrié « Vive la France, vive le communisme !»« Si je suis tué, tu auras la vie d'un Français sur la conscience, je ne suis pas un brigand. » Il a saisi son arme et s'est tiré une balle dans la tête. Il s'est écroulé immédiatement. Lecture faite, persiste et signe.